Tu sais, là, tu m'arrives avec un bon signal de 7, hein. Je suis au grand rond-point. On a fait régler l'antenne il y a pas longtemps. Ok, ouais, bon, ça navigue, ça navigue. De toute façon, là, pour ma part, je suis là sur Sainte-Colombe. Donc, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Pédarban. Ah, ok, d'accord. Alors, je sais pas, tu vas de quel côté, hein? Je m'en vais en direction de Castillon, Château-Lacoste. Ah bah tu vas te rapprocher de moi alors, puisque si tu vois où est Saint-Magne de Castillon, et eh bien bah, je suis à côté, quoi. Ah ok, je pensais que c'était au Bigarou. Non, 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 pourquoi les Bigarous? De suite, ça fait alcoolique là ton truc. Pardon? Non, une connerie. Ah chie, je sais pas pourquoi j'ai dit ça en plus. Ouais, donc t'as ton nouveau camion, une nouvelle installation alors? Ouais, ouais, enfin installation ancienne mais avec antenne rehaussée parce que ça faisait des bulles quand je parlais. Ça faisait des bulles quand tu parlais, putain! Ah, chie trois coups, vas-y, raconte! Ouais, les gars me disaient, ouais, ça fait blou quand tu parles. Ouais, d'accord, je vois. Ouais, ben. Eh ben, tiens, justement, c'est vendredi soir. Il y avait Pascal Demir 18, hein, du département 77, hein, qui, à chaque fois, quand il coupait son moteur là, pour moduler, bah, ça faisait un petit peu pareil, quoi. Il n'avait pas assez de jus, du coup, le moteur coupé pour alimenter le poste. Et ça avait tendance à être un petit peu bizarre au niveau modulation. Ah, j'ai un collègue qui a un sauf-mètre et on a fait ça, on a fait ça bien. Ah d'accord, impeccable. Et c'est quoi comme antenne autrement? L'antenne, je sais pas, le poste c'est un petit président Johnny. Ah bah il marche bien, hein. Oh bah ça va, ça marche bien. Ah il marche super bien. Ouais, parce que là, ouais bah tu m'arrives avec bon, une radio de 5, Santiago, et ben 5 aussi là. Ok. Voilà, donc tu as quoi comme camion, hein? Renault, et je suis en conteneur maritime. D'accord, donc ça flotte pour toi, alors? Ouais, ça roule, Raoul. Ok. Et t'arrives d'où, là, comme ça, hein? J'arrive de Daigle. J'ai pas compris, hein. J'ai pris le conteneur à Daigle, le conteneur vide, pour changer. Bègle, d'accord, ok, non, c'était le lieu qui n'était pas passé. Ok, ah bah oui, bah tu tournes en régional, quoi, c'est tout, non? Ou international? Les conteneurs, ils font international, moi je roule juste en régional, je vais pas loin, quoi. Je sors pas dans le camion. Ok, donc tu fais partie des chanceux qui rentrent tous les soirs chez eux et week-end avec. Ouais, ferme à tout, et puis j'ai un petit garçon, donc... Je peux pas le laisser, quoi. Ah, ah, ah. Attends, rappelle-moi ton... pas bien réveillé, quoi. Rappelle-moi ton QRZ. Parce qu'en plus, là, toi, j'ai même pas pris mon petit déjeuner. Et les neurones se sont pas encore bien mis en place. Le révérend, parce qu'un jour, j'ai salué les gars comme si je faisais le signe de croix, et depuis, on m'appelle le révérend. Oh ben va falloir qu'on se croise sur la route parce que ça doit être assez. Ça doit être pas triste. Ok, le révérend 33, quoi. Ah, affirmato. Ok. Et tiens, ça voudrait le coup que tu te fasses une plaque avec marqué ça dessus, justement, que tu colles au pare-brise. Ouais, je sais, faut que je fasse ça, ouais. Et sinon j'ai des grandes lunettes au pare-brise, des grandes lunettes oranges. D'accord. Eh ben, vu que là je suis sur le secteur, peut-être qu'on s'est déjà croisé, je sais pas, là, la seconde comme ça me dit rien. Pour ma part, c'est un Duster blanc avec une grande antenne au centre du toit, et sur le pare-brise là devant, il y a marqué Dandy 33. Ah ok, je crois que je t'ai déjà croisé sur la rocade. Ouais, c'est possible.
D'un côté, il y a marqué Dundee 33, d'autre côté, il y a marqué 14 ODR 002. Sur la vitre arrière droite, j'ai un autocollant CB, Citizen Band Libre, je crois, ou CB Libre, quelque chose comme ça, quoi. Ah, ok, ok. Voilà, tu te rapproches, Santiago 8. Ok, ok, ouais, je viens de passer Santé d'Armas. Ah bah oui, t'es pas très loin, tu te rapproches. Et quand tu seras à la hauteur du Leclerc, ouais tiens, ouais, ce sera plus précis comme ça, sur la gauche, tu verras, enfin même avant ça, tu verras une grande colline. Moi, je suis de l'autre côté de la colline. Ah ouais, ça veut dire que mon poste, il capte loin quand même. Oh bah là, c'est du petit local, là, quand même. Parce que tu es en puissance d'origine du poste, ouais, c'est ça, quoique, ouais, c'est ça. Ouais, 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 je fais bien, je porte bien jusqu'à 5 ou 6 kilomètres. Ah, peut-être, ah zut, dommage que j'étais pas plutôt en fréquence. J'aurais su plus tôt, ouais, on aurait pu faire un petit test. Parce que là, si tu vas du côté de Castillon, quand tu vas rentrer dans Castillon, par contre, là, ça va être complètement fermé, quoi. Ouais, à cause des murs et tout ça, les ferrailles et tout ça. Et puis j'ai remarqué, question la bataille, c'est vraiment pourri là au niveau des ondes. C'est vraiment pas terrible. Tu es sur Facebook là, je crois, non? Non, du tout, du tout. T'es nulle part sur Internet? Non, non, j'ai pas de Facebook, le révérend, non. Non, je veux dire, tu es quelque part sur Internet? Ah oui, j'ai mon Facebook à moi, oui. Ok, est-ce que tu connais mon groupe Division 14 ODR? Non. Ah, parce qu'un petit truc intéressant, là je suis en train de faire là, justement une petite vidéo, et comme ça te permettrait de voir comment tu passes. Car même pour moi, je le fais des fois, hein, pour quand je fais des tests, un truc comme ça. Je lance une petite vidéo, je vais soit dans la voiture ou l'inverse, je fais mon petit test, je vois ce que ça donne. C'est vrai que les gens apprécient bien de voir comment ils passent, et bien souvent ils sont surpris de voir à quel point ils passent bien, quoi. Ouais. Hop là, là c'est monté à 9 plus 10. Autrement, bah, si tu te souviens pas là, du groupe 14, Division 14 ODR, tu as toujours mon compte Facebook, c'est-à-dire Dandy Radio CB. Ok, merci, je regarderai. Mais je suis pas un accro de Facebook, j'y vais peut-être une fois par mois, quoi. Là, je passe devant le Leclerc et au rond-point, je vais tourner à droite selon mon GPS. Ok, tu m'as fait des pointes là, Santiago 9. Voilà. Et autrement, de toute façon, t'as mon forum La Planète CB Francophone, ou alors je suis aussi sur Les Ondes du Routier, et aussi sur Fier d'être Routier. Ok, attends, je tourne à droite au rond-point, là, je suis mon GPS. Ouais, ouais, quoique, méfie-toi de la gourde qui parle seule, des fois, t'en vois pas au bon endroit. Tiens, petite anecdote, en septembre, avec YL, quand on est parti en vacances, on s'amusait à un petit jeu. Elle a le GPS sur son téléphone. Moi, je l'avais collé au tableau de bord. Et quelquefois, on s'est rendu compte que le GPS, que les deux GPS ne voulaient pas nous envoyer tous les deux dans la même direction. À tel point que y en a un, une fois, il voulait nous envoyer à gauche, l'autre à droite. Le seul hic, c'est qu'en face, il n'y avait pas de route. Alors, on prend quoi? Ben, on a joué un petit peu à la courte paille, et puis voilà, quoi. Effectivement, je te copie moins bien. Ouais, c'est descendu à Santiago 3. Et encore, tu t'en sors bien parce que t'as pris à droite. Tu serais allé tout droit direction Castillon Centre. Là, au niveau des feux, par là, là, c'est complètement fermé, quoi. Ouais, parce que ça fait Cubette. Ouais, et puis il y a énormément de QRM aussi de ce côté-là. C'est franchement dégueulasse dans le coin. Tous les EM qui passent par là, soit ils éteignent le poste, soit où ils attendent d'être à nouveau sortis de Castillon. Parce que s'il y a bien un endroit à pas habiter, c'est bien Castillon, hein, juste au niveau CB. Hein. Ah ouais, ok.
Quoique, au niveau du reste aussi, parce qu'ils ont récupéré toute la merde de Libourne. Hachis. Hachis. Voilà, on ne s'étendra pas sur le sujet. Ouais, les bips derrière, les bonnes 131 de la part de Dandy 33, QTH Sainte-Colombe. Voilà, donc tu es en 38 ou 44 tonnes? 38. D'accord, donc juste doublé sur l'arrière, ben ça va, ouais, sur les petites routes comme ça, ça passe mieux, quoi. Ouais, bah t'es à vide, là, de toute façon, ouais. Ouais. Ouais, bon, encore, ça va, quoi. Et ton GPS, il t'indique pas, justement, là, ces détails? Non, moi, je prends le GPS Apple, je prends plan. D'accord, parce que, comme ça, écoutez, justement, les mille pattes. Et il me semble qu'il y en a justement qui t'indiquent tous ces détails. Ça, mais je suis pas rendu encore. Hein. Ah, il y a du monde devant toi. Bon, allez, c'est parti. Si t'as plus de nouvelles, c'est que je suis tombé dans l'eau. Ok. Oui, Roger Bill derrière, les moteurs 1351, Daddy 33, QTH Sainte-Colombe. Le temps de passer le pont, vu qu'il est en fer, sur toi j'éviterai de prendre des micros si pour le coup tu te retrouves avec 3 tonnes de tos. Ouais, c'est bon, je suis passé, je suis de l'autre côté, je suis pas mort. Ok. Santiago 3 de mon côté, toi ça passe toujours bien, quoi. Ouais, arrivé dans 5 minutes à 16h57 d'après mon GPS. Ah bah ça va, t'es quasiment rendu, quoi. D'accord. Ouais, Château Lacoste, ça te parle? Pas du tout, je suis pas du tout... c'est con ce que je vais dire, mais je suis pas du tout buveur de vin. Et pourtant, je suis en plein milieu des vignes, parce que là, ici, moi, en plein centre du village, j'ai des vignes de tous les côtés, tout ça, et non, je suis vraiment pas du tout buveur de vin, donc je connais pas du tout. Oh là là, quel dommage, quel dommage, mais quel gâchis, oh yo 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 yo. J'ai vu comment t'étais parti, j'allais le dire en plus. Ah, le soir à l'apéro, je dis pas que je prends pas un petit truc de temps en temps. Comme hier soir, par exemple, il est bien passé l'apéro. Ah, juste un verre, quoi, c'est tout, pas plus. Ah, ok. Ouais, voilà, j'entends gazouiller dans le lointain derrière. Ouais, il y a d'autres stations dans le lointain derrière, c'est Santiago Zero, ouais, ça gazouille dans le lointain derrière, on n'est pas tout seul. Ok, moi je vous entends pas. Ah ben, là je les entends parce que je suis en fixe, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Alors là, tu m'arrives à Santiago 1, là, maintenant. Il y a peut-être le brouillard qui ralentit les ondes aussi, c'est brumeux, là. Voilà, ça dépend. Puis là, l'antenne, elle est où? Derrière la cabine, j'imagine, non? Ouais, sur le toit de la cabine, côté chauffeur, au-dessus. Ah, ok, je m'attendais plus, comme la plupart des routiers, derrière la cabine. Et là, effectivement, ça a tendance à bloquer, les portées sont vachement réduites comme ça. Ah bah là, c'est bon, elle est bien installée comme ça. Merde, putain, je dois prendre une petite route. À toi, ça navigue entre Santiago 1, Santiago 3, c'est quand même pas mal, quoi. Ah, c'est ton GPS qui t'a demandé de passer par là? Ouais. Aïe. Bon, jusqu'à maintenant, il m'a toujours amené exactement où il faut. Hein. Ouais, jusqu'à maintenant. Mais le problème des GPS, d'un compte qui parle seul, c'est que t'as beau lui répondre, de toute façon, elle t'écoute pas, quoi. Ah ouais, parce que en plus, je lui ai mis une voix de femme.
Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis ça, quoi. C'est marrant, je crois qu'on fait tous pareil, quoi. Sauf les YL qui prennent d'autres voies. Ouais, ça se rapproche derrière aussi, là. Le signal est toujours de zéro au niveau des autres stations, mais la modulation a monté. Ouais, il y a du monde derrière aussi, là, du côté de Castillon-la-Bataille, ça, les 73-51, vous, les stations. Bon, je te laisse, Denis, parce que je suis en train d'arriver, là, je te reprends après le chargement. Ok, Santiago 4, voilà, au dernier passage. Les 73-51 à toi, il n'y a pas de problème, je reste en stand-by sur le 19. T'en as pour une heure à peu près, je pense. À peu près, allez, 73-51, à plus. Ok, ça marche. Et 73-51, les stations que j'entends derrière de la part de Dandy 33, je vais prendre mon petit déjeuner à Chitroicou. Alors QTH Sainte-Colombe, à côté de Saint-Magne-de-Castillon, à côté de Castillon-la-Bataille, 5 km de Castillon-la-Bataille et 12 km de Libourne. Ok, d'accord, puis en plus de ça, de ce côté-là, je suis pas trop aidé quand même, puisque je suis dans un trou ici. Mon meilleur angle de tir, c'est plein ouest. Là, ok, côté Bordeaux, là, c'est le secteur où j'entends le mieux. Et ouais, c'est pas mal, comme quoi ce matin, il y a un petit peu de propague. Allez, je vais prendre mon petit déjeuner, parce que là, j'ai l'estomac qui commence à crier famine. Hachi, peut-être à tout à l'heure. Ouais, braco, les 73 de Dandy 33 en mobile. Eh bien, ça passe bien, ça passe fort de mon côté. Là, je suis en push arrêté entre Castillon-la-Bataille et Saint-Magne de Castillon. Ouais, comme ça, t'auras un peu plus Roger. Ouais, je disais que là, je suis en push arrêté entre Castillon-la-Bataille et Saint-Pédarmand. Ok, ok. Mais moi, je suis en fixe là, je suis du côté de Sauveteur de Guyenne. Sauveteur de Guyenne? Oh, bah ça va, c'est pas encore très loin, quoi. Non, mais je suis à Jean-Marc. Ah oui, et puis vu l'écho qu'il y a derrière, je vois qu'il y a vachement de place autour de toi, Hachi, autour du QR1. Ok, ok, hein, je suis avec trois Lotos. Ah, c'est le retour d'onde stationnaire que j'entends comme ça faire de l'écho, Hachi. Ok, ok, oh, c'est pas grave. Ah, mais ça marche bien quand même, hein, y a pas de problème, hein, ça passe bien quand même. Ah ben marche bien encore, hein. Il n'y a pas de souci. Ben, de mon côté, c'est un CRT 7009, voilà, qui est monté là dans le push. Ah ok, mais moi j'ai un président masculin aussi dans le push, là, voilà. Comme je vais à la charte, comme on l'avait dans le temps. Mais il n'y a plus grand monde dans l'intervention civile. Oh, il y a plus de monde que tu ne le crois. Sauf que pas mal oublie de prendre le micro quand on lance des appels. Voilà, c'est ça le truc. Ah bah oui, bien sûr. Par contre, là, de mon côté, il y a un peu de brouillard. C'est un peu dommage. Ouais, ok, mais je crois qu'il va pleuvoir. Ouais. À quoi, là, aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Ouais, il avait dit dans l'après-midi, il y aurait sur la météo dans le secteur, hein, oui. Ah d'accord, ok. Bah, je sais pas. Au moins, c'est vrai qu'hier soir, j'ai pas trop regardé la météo. Hein. Ah bah oui, pour fonctionner, ça fonctionne.
J'ai pas regardé le signal, mais au niveau radio, bon, c'est une radio de 5 avec la chambre d'écho, évidemment, là qui donne un peu plus de relief. Vas-y, reviens que je vois un peu le signal. Allez, on file avec la chambre d'écho, avec un mic là, j'ai une centimètre, j'ai un quart de mètre, j'ai un amplificateur, j'ai un ampli, bon, j'ai du matos en fait. Ouais, ben c'est un signal de 4. Voilà, et par rapport à ta direction en plus, là je suis en travers, pas en travers de la route, mais en travers de ton de ta direction, donc je t'attrape là par le côté. Et bah c'est pas mal quand même. Je sais pas à combien j'arrive là de ton côté, mais bon en tout cas là moi je t'entends bien, y a aucun problème. Ok, mais toi t'as un signal de 1,5, y'a pas de problème. Ah ouais? Ah je m'attendais à plus que ça, tiens. Non bon, bah c'est déjà pas mal. Ok, donc avant ça, tu m'entendais quasiment pas, quoi. Signal de 0, quoi. Ah, ouais, c'est sûr. Puis là, des fois ça passe, mais c'est des fois ça passe mieux, ouais. Ah, ben, je vois, là, tout à l'heure, moi j'étais au QRA, et il y a une petite montée de propague, puisque j'ai les stations d'Angoulême de ce coin-là, qui m'arrivaient très bien, là, au QRA. Ah ouais, c'est vrai. Surtout qu'en plus de ça, là où je suis au QRA, c'est-à-dire sur Sainte-Colombe, là je suis carrément dans un trou. Sauf là où je suis carrément, là pour le moment, là vu que je suis en push, là je suis sur terrain plat, donc là ça va mieux. Mais c'est vrai que là, depuis le QRA, c'est pas triste. Hein. Et je sais pas si justement depuis le QRA j'arriverai à t'attraper, c'est pas évident. Oui, voilà, bon, c'est pas grave, on fait avec et puis c'est tout, hein. Ouais, ok, on va j'attends pas du côté de Marmande et j'attends pas bien. Ok, ben là, je suis en train d'attendre, là, je voulais faire une petite surprise à un OM en mille pattes, là, dont je pense qu'il doit repasser par là. Son QRZ, c'est... oh zut, je l'ai mangé, quoi. Comment il m'a dit déjà? Le révérend 33. Ah chi, j'ai rigolé un petit peu sur le coup là quand il m'a donné son QRZ. Mais bon, ça m'a de suite fait penser au film le convoi, quoi. Où justement il y en a un dedans, quoi. Ok, bon, c'est bien. Bon, mais je te laisse, je vais un peu bricoler, voilà. Alors, je te demande une bonne continuation, une belle journée, et bye bye, à la prochaine. Ok, ça marche, les bonnes 113.51 à toi, bonne journée, content de t'avoir eu en fréquence, et à la prochaine. Ok, bye. Bye bye. Bye. Attention, le révérend pour Dandy 33 qui t'appelle. Le révérend 33, non, c'est la première fois, puis en plus il est en mille pattes, il est pas très loin. J'ai envie de lui faire une petite surprise puisque je suis sur le bord de la route. Ça fait pas de mal s'il y a un peu de fric pour le révérend. C'est vrai que je... Oui le révérend, attends deux secondes. Quand il n'y en a pas. Hein. Et puis tu sais, maintenant, moi j'aime bien écouter, j'aime bien faire l'écoute, j'aime bien tout ça, c'est pour ça qu'on m'entend pas trop. Hein. On ne m'entend pas trop, hein. Je vais écouter n'importe où, et puis ça me fait plaisir. Bon lundi, je te laisse alors, les bonnes amitiés quand même, et puis je te dis un de ces jours. Hein. Mais ne le prends pas à la lettre, hein, si quand je te dis quelque chose, ne le prends pas au pied de la lettre, parce que je plaisante toujours. Voilà, ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein. Ok, ben il y a le révérend qui est de retour. Je viens de redémarrer là une petite vidéo là pour lui faire une petite surprise. Il sait pas encore là où je suis. Est-ce que tu m'autorises à garder juste là cette fin de phrase dans la vidéo où tu voudras que je coupe là, Jean-Paul? Problème, pas de problème, Dandy, pas de problème. Ok, le révérend de retour en fréquence. Vas-y, à toi le micro. Tu es où? Voilà, le révérend, il a fini de charger, il passe à... Je suis au panneau Saint-Pédarmin. Saint-Pédarmin? T'es passé où? Je t'ai pas vu passer. Je vous écoutais parler depuis tout à l'heure, depuis que j'ai quitté mon client, Château Lacoste.
D'accord, donc t'es passé au niveau de Castillon, enfin t'es repassé par Castillon, la nationale, direction Saint-Pédarment. Exactement, là je suis presque au routier, le relais de Gascogne. D'accord, et t'as pas vu une voiture, un Pouche blanc sur le côté droit avec une antenne dessus? Ah, j'ai pas fait gaffe, t'étais là à côté là? Eh oui, je voulais te faire une surprise. Oh merde, je t'ai raté, oh merde. Ah, chie trois coups! Bonjour, le vétéran de la JP33. Oui, c'est le révérend, oui. Ah, ok, les amitiés, vous les avez déjà entendues. Oui, je faisais pas mal d'essais pendant toute l'année dernière. Ah, c'est bien ça. Voilà, allez, je te laisse avec Dandy. Merci, la station, à bientôt, les bons chiffres. Pas de problème, les bons chiffres à toi aussi, les bons chiffres à Dandy. Ok, tout ça retournait. Donc là, le révérend, tu t'en vas sur Bordeaux alors? Affirmatou. D'accord, ok. Ah putain, ce gag. Qui croyait faire une surprise, eh bien c'est bien fait à voir pour le coup. Mais je t'ai pas vu passer, mais achi, le coup que je vais te faire, parce que vu tout à l'heure je t'ai eu en fixe, après avoir pris le petit déjeuner, donc les yeux bien ouverts, achi, mais si putain, je prends le pouls, je vais me positionner sur le bord de la nationale, et puis quand il va passer, je vais lui faire un joli petit coucou, et il va me renvoyer un grand coup de klaxon. Je voyais le truc bien sympa, quoi. Ah ouais, c'est dommage, ça aurait été super. Et je sais pas, moi je suis avec un 20 pieds vert, peut-être que tu m'as vu. J'ai vu pas mal de camions passer. Peut-être. Tu dois être rendu au Bigarou là maintenant, non? Ah, je roule vite, mais pas à ce point quand même. Non, t'es toujours à Saint-Pédarment? Non, j'ai passé le panneau fin de Saint-Pédarment. D'accord, je suis juste à l'entrée de Saint-Pédarment. Ah, milliwatt. Est-ce que tu m'entends petit là? Non, milliwatt, c'est-à-dire, je veux dire, accélère. Ok, ah bah oui, mais attends, il y a le radar. Voilà, je suis en train de passer à la hauteur du relais de Gascogne. Ah, ok. Voilà, le radar. Bon, de toute façon, tu m'invites à me rattraper parce que je roule à 8 kilos. Ouais, mais moi là je suis à 5. Ah, j'ai baissé le squash parce que ça me prenait la tête. Ah, moi j'aime bien entendre le bruit de fond, ça fait, je dirais que ça fait partie, je dirais pas du folklore, c'est pas ce point-là quand même, parce que pour le coup j'ai un souci, mais bon, ça fait son petit charme quoi, au niveau de la radio. Ouais. Ah, maintenant faut dire aussi que j'ai un poste qui est assez bien filtré, quoi. Ouais, dans le mobile, c'est un CRT 7009 que j'ai. Donc c'est la grosse petite bébête, quoi. Ah, d'accord. Bon, mon petit poste me convient très bien. Là, tu m'étonnes. Voilà, j'arrive au rond-point, là, avant les Bigarou. D'accord, mais voilà, j'ai bougé un peu là. Et bon, tu t'en vas sur Bordeaux? Moi, je suis en train de me promener. Voilà, tout simplement, avant de retourner au QRA. Ok, très très bon. Ah, je vois un camion là qui est en train de doubler devant moi. Donc là, tu une
fois retourné à Bègle, bon, tu prends une autre direction, quoi. Voilà, cet après-midi, normalement, je m'en vais aux Articles de Lussac, si ça change pas. D'accord, ok. Je suis presque au flash qui se situe dans les Bigarou. Ah ouais, d'accord, ben, je suis pas loin du rond-point là, là que tu as passé. Mais bon, j'ai du monde devant moi quand même, camion, tout ça, je ne vais pas faire non plus la course, hein. C'est pas le but. Hein. Oui, oui, t'inquiète, pas de soucis. Oh putain, ils ont peinturé le flash, je suis mort de rire. Ouais, 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 ça fait déjà quelques jours comme ça, et celui de Saint-Pédarmand, c'est pareil. Oui, oui. Ouais, les mecs, ils ont la haine, et quand ils se font prendre en photo, tu m'étonnes. Eh oui, voilà ce que c'est quand on est connu, il y a les paparazzi. Ah ouais, tu m'étonnes, moi j'en veux pas de cela. Oh, bah quelqu'un de connu comme toi, quand même. Oui, oui, mais c'est pas la peine, j'ai pas envie. Oh, ça y est. Pourtant, quand tu regardes des stars, ils aiment bien se faire prendre en photo. Ouais, ouais, ouais. T'as vérifié là si dans la boîte là il n'y avait pas un gendarme de caché dedans avec ses jumelles? Si, ils ont mis un gendarme avec les jumelles et puis ils ont peint juste le vent pour faire croire. Ah si. Non, en tout cas, ton QRZ le révérend là, ça m'a fait penser tout à l'heure, là, c'est dans le film Le Convoi là qu'il y en a un justement à la CIBI. Ouais. Ah putain, ça... Vas-y, on n'empêche qu'il est bien choisi celui-là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis en train de traverser là les Bigarou. Là. Ah ouais, toi là, t'es de l'autre côté de la colline parce que je te vois pas, quoi. Ouais, je suis dans la grande ligne droite là, je suis au panneau qui te dit la vitesse là, le petit machin là. Ah oui, ouais, ouais, avec les magasins sur la gauche, ok. Eh ben tiens, à ce niveau-là, il y a quelques années, j'ai une nana qui m'a éclaté le rétro comme ça, là, sur mon ancien push. Elle, c'est pas compliqué, elle est partie du principe qu'il y avait trois voies, là, ici, là. Et donc, à cheval sur la bande centrale, et puis en avant-roule. Elle s'est mise à doubler comme ça, alors qu'on était toute une file de voitures, mais ça fait rien. C'est maintenant qu'elle avait décidé de passer, et puis pas autrement, quoi. Ah ouais, et t'en as été pour un rétro. Ah bah bien sûr, parce que ceux qui croient que les gens s'arrêtent, ça c'est fini, ça n'existe plus, hein. Plus personne s'arrête. Hein. Ouais, 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 ouais. Alors j'essaie de me décaler un peu. Non, j'ai un camion blanc là qui me cache la vue. Quoi. Ouais, d'accord. Parce que là, voilà, je suis au niveau de la cave de Comté. Voilà, je suis en train de passer là. Quoi. Ouais, Château-Rivière aussi, peut-être. Ouais, je vois où tu es. En tout cas, il marche bien là ton poste, hein. Il y a une super modulation. Hein. Ah, ok. Mais je remercie surtout celui avec qui j'ai fait le réglage du TOS. Ok, il a un QRZ ? Oui, c'est la première fois que tu es chez moi, il n'a pas bougé un point depuis que tu es à Limbourg. Ok, bah, tu vois, Jean-Paul confirme là que tu passes vraiment bien. Hein. C'est rare les 1000 pattes là, qui passent aussi bien. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, l'OM a un QRZ, là, pour celui qui t'a fait le réglage. Ouais, son QRZ, c'est la flamme. La flamme, la flamme 33, j'imagine. Non, je connais pas. Ah ouais, je suis mort de rire, j'ai passé le rond-point, là, et il y a la murette de la maison, juste après le rond-point, qui est défoncée. Il y en a un, il s'est fait plaisir, il s'est éclaté contre la murette. C'est souvent que ça arrive, là.
Il y a des... Ah tiens, Château Cantonac, hein, tu vois, je suis juste derrière. Quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est souvent que ça arrive. Il y a des endroits comme ça, faut pas habiter, quoi. Ouais, t'es pas loin derrière, alors écoute, je vais faire un tour de rond-point, voir si t'es là. Waouh, eh bien, donc tu dois être au deuxième rond-point, c'est ça? Ouais, devant Peugeot. Ok, bon, j'attrape le premier, donc à moins de le faire à 5 km/h le tour, ça va peut-être pas être évident, quoi. Ouais, mais ça va vider les voitures que j'ai derrière moi. Ok, génial. Putain, hein, et en plus de ça, t'as mis le pas de cuiro, quoi. Non, bah, je déconne en disant ça, je déconne. Non, parce qu'il y a tellement de gens en voiture qui pestent les 1000 pattes, enfin qui pestent tout de toute façon, que ce que tu fais, forcément, ça va leur faire retrouver le sourire. Ouais. Là, j'ai un camion blanc derrière moi, c'est un frigorifique maintenant. J'ai pas du tout. J'ai touché le micro au même moment. Oui, je l'ai vu celui-là. Ouais, je vais faire la même chose là au Lidl. Alors, alors attends, non, c'est quoi ça? C'est un articulé que je vois passer là. J'aperçois un articulé là-bas au loin. Mais non, il est dans l'autre sens. Oui, c'est un camion poupeau que tu vois, un camion bleu. Il est encore un peu loin là pour que je vois. Oui, remorque bleue, voilà, c'est ça. Oh, c'est pas moi, là je suis au rond-point, je fais le tour là avec un copain vert. Ok, un petit, c'est ça? Je suis en train de me souvenir que tout à l'heure, je crois que j'ai vu ça passer. Oui, un petit, un 20 pieds, c'est ça, au cul, ouais. Ok, mais j'ai pas trop réagi. Et pourquoi il s'arrête là? Putain, mais c'est n'importe quoi. Du moment qu'il y a quelqu'un qui freine, tout le monde s'arrête, quoi. C'est quoi ce bordel? Oh, yo. C'est des tapettes qui s'arrêtent. Non, je plaisante. Je retire ce que j'ai dit. Oh, t'es où, l'ami? Eh bien, c'est que... attends, je vois un camion bleu, là. Comment elle est, la remorque? C'est une citerne. Bon, là, je fais le tour, là. Je viens de passer par-dessus la 89. Je fais le tour du rond-point, et après, je file sur la 89. Ok, je t'ai vu au-dessus du rond-point. Allez, dépêche. Allez, je prends la voie d'accélération. Ok, d'accord, je vais te voir passer au-dessus. Ça y est, je te vois. Ah oui, j'ai vu ton antenne sur le toit. Oh, je te vois, l'ami. Ok, c'est dans la boîte. Voilà, je te vois. Voilà, le clignotant est mis. C'est dans la boîte. Ah, ok, ça marche. Eh hey, zut, j'avais même perdu le micro. Ok, voilà, donc ben, je retourne dans l'autre sens, moi, du coup, là. Ouais, bon, c'était super sympa, ouais. Ok, je vais voir si je peux m'arrêter au niveau... attends, il y a pas mal de bâtiments, là, par ici, ça va être un petit peu chiant. Quoique, je vais m'arrêter, là, au niveau de Peugeot Citroën. Ouais. Ah, j'ai bien vu le Duster blanc avec la grande antenne au milieu du toit. Voilà, je vais rester un petit peu là sur le quartier. Là, je suis au niveau de Monsieur Bricolage, juste en face, entre Monsieur Bricolage et Peugeot. Là, je vais rester un petit peu là le temps de t'accompagner, quoi. Ouais, mais je porte à 5-6 km grand maximum. Hein. Eh ben, on verra bien. Parce que tout à l'heure, tu me rêvais quand même bien, hein, parce que de chez moi au Leclerc de Castillon, il y a 4,5 km. Si je me souviens bien, tu m'arrivais avec un 7,9 quand même. Hein. Ouais, voilà, là je crois que j'ai fait 1 km, j'ai pas regardé quand je suis parti. Alors, du Leclerc à ici, il y a 20 km. Hein. Et là, ouais, tu m'arrivais avec un Santiago de 7 là quand même, hein. 7,8. Les mecs, ils ont été sympas, ils m'ont chargé vite.
Santiago 7, voilà, confirmé, Santiago 7. Ça va, toi, tu m'entends toujours bien? Ouais, je te copie, ouais, tout très très bien. Je te reçois, je regarde pas, attends, vas-y. Ok, bon, si ça commence à faiblir un peu, tu me le dis, je ferai le nécessaire, quoi. Ouais, j'ai aucune aiguille qui monte, j'ai aucun témoin qui monte quand tu me parles, mais je te copie super bien. Ok, et là maintenant, ça a dû quand même monter un peu, là. Affirmato, j'ai un. Putain, mais il est radin, ton S-Met, hein. Putain la vache, l'enfoiré, quoi. Il est radin, hein. J'ai un, mais je sais pas à quoi ça correspond, hein. Ouais, d'accord. Faudra que je regarde. C'est un quoi comme poste, déjà? Président Johnny. Ah, tu montes à deux. Président Johnny, le signal, c'est un truc à LED ou à aiguille? À LED. Ouais, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Ce genre de Hertzmet, c'est pas très précis, quoi. C'est ça, le truc. Je dis ça, mais le mien, c'est à Hertzmet aussi, mais c'est des tout petits points là qu'il y a, donc j'en ai beaucoup, donc ça devient, enfin bon, bref, tu m'as compris. Ouais, faut que je regarde là sur internet, mais oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi là, ça, je t'arrive pas plus fort là au niveau signal. C'est normal, tu auras un truc à aiguille, tu verras la différence. Attends, j'ai monté un petit peu là, parce que c'est un peu loin, là, mais je continue de bien te prendre. Ouais, Santiago 5 aussi, là, enfin 5 maintenant. D'autant plus que là, moi, je t'attrape en travers, hein, donc je suis mal positionné au niveau du push. Donc c'est déjà pas, c'est quand même pas mal. Toi, toujours là, c'est Santiago 5, là où tu es. Et en plus, c'est pas le garage Peugeot Citroën qui te gêne et ça parasite dès le départ. Oui, je suis mal placé. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un derrière. Ouais, ouais, affirmatif, puisque là, je suis entre les deux. Hein. Là, donc là, je suis un petit peu beaucoup caché, quoi. Ouais, impeccable. Ah, il y a Pamela derrière, les 88 Pamela de la part de Dandy 33 en mobile sur Libourne. Mais je t'entends bien, Andy, à 57, 58 de mon côté, mais j'ai perdu le camion. Ouais, je l'entends plus après, je l'entends après. Ouais, ok, ben oui, en plus là j'étais obligé d'allumer ce qu'il fallait derrière pour qu'il m'entende un peu mieux. Puisque bon, évidemment, dans son camion, il n'a pas la même réception que moi là dans le push. Affirmatif, c'est plus bruyant, c'est plus embêtant, quoi. Puis après ça dépend des antennes et tout ça. Ah oui, moi sur le push, là, c'est une Santiago 1200, mais je préférais mon ancienne antenne, la Sigma Jura 10, qui, elle, prenait moins les QRM et portait plus loin en plus. Oh putain, mais c'est pas vrai, aujourd'hui, putain, je crains, moi. Comment c'est déjà son QRZ? Le révérend, voilà, tu es toujours là? Oui, je te crois toujours, je suis en train de passer exactement au-dessus de l'autoroute 89 pour me brancher à la centrale d'eau, tu me vois? Ok, Santiago 5, là où tu es, très précisément, tu vois que ça porte bien au niveau de ton camion. Après, c'est peut-être au niveau des autres stations qui, eux, ont des installations moins bonnes que tu ne le crois, quoi. Ouais, il n'y a pas de problème, Santiago 4. Voilà, donc, comme je te disais, là, je suis stationné là sur le bas-côté, là, entre le Peugeot et Citroën. Donc, je t'attrape là sur le côté. Et bon, ben, là, pour te donner une idée par rapport à là où tu es, ouais, Santiago 4, c'est bien. Hein. Ah, ça passe bien quand même, allez, bonne route vers Bordeaux. Ok, Santiago 3, Santiago 2, là maintenant, là où tu es exactement, tu vois, ça passe encore. Ok, bonne route à toi et à la prochaine. Ah,
Ok, Santiago 2 au dernier passage. Bon, j'ai eu une petite montée de QRM avec un mille pattes là qui est passé. Et autrement, oui, Santiago 2 là au dernier passage, il n'y a pas de problème. Bonne route à toi, à la prochaine. Ah ben là, je comprends plus ce que tu dis, c'est pas de ta faute. J'ai un QRM qui s'est installé là, ici, là, sur le canal. Il pouvait pas aller ailleurs, celui-là, à chier trois coups. Bon, ben je vais te laisser, ok, ben, tant pis pour le QRM là, qui me gâche là, la fin. Bon, c'est pas méchant. Ok, merci à toi, bonne route, et tu penseras à nous, là, de notre côté, quand tu boiras, quand tu t'arrêteras pour le gastro liquide solide, à chier trois coups. Allez, bye, merci à toi. Ah ouais, d'accord, j'ai compris qui c'est qui me fait des QRM. J'ai un chantier là qui est juste à côté de moi. Voilà, ils ont un groupe, tout ça, ils sont en train de jouer du marteau-piqueur. Donc évidemment, ça me fait pas mal de QRM, mais je t'entendais encore à travers le QRM malgré tout. Bon ben, j'ai plus qu'à retourner au QRM maintenant, hein. Allez, merci à toi, bonne route, bye. Eh ben, t'as plus qu'à faire demi-tour. Ouais, ben voilà. Voilà, ça y est. Et voilà, bon, comme ça, là, c'est bien sympa. Il pourra voir en même temps, là, sur Internet, là, de ce que ça donne, là, comment il passe. Là, ça devrait lui faire pas mal plaisir. Exact, à 0,06, ça c'est la tension.